Les autorités de la un cortège de soutien au candidat de l'UFR, M. Baïdé Haribo, vient de passer. Quels sont vos sentiments? Je suis fier. Pourquoi je suis fier? En tant que Guinéen, je n'ai pas contre eux. Je l'ai déjà dit, même en passant, que la Guinée est indivisible, inséparable. Je pense qu'une élection, c'est pour vous séparer l'un et l'autre. Ce n'est pas pour te montrer ou bien pour te montrer contre les autres, jeter les pierres contre les autres. Moi, hier, j'ai passé là-bas, à l'école 22. Il y a pas ceux qui ne sont pas dit sur moi, insultés n'importe comment. Vous mais aviez un cortège comme eux? Bien sûr, mais nous, on préfère rester tranquille. On n'est pas que eux, ils pensent. On est à la guerre, quoi. En Guinée, on ne vit pas la guerre ici. C'est ça. En passant devant votre domicile, il crie non à la fraude. Est-ce que vous pensez que les dés sont déjà pipés? Par exemple, moi, je suis fier de moi. Tu sais, et ils pensent que s'ils ne passent pas devant ma porte, ils ne peuvent pas se sentir réellement à qui ils sont. Donc tous les jours, c'est comme ça ici. Ensuite, c'est comme ça. En passant, ils parlent. Le pécheur, comment? Le pécheur n'est pas humain. Je ne suis pas humain. Hein? Moi, j'ai dit bâton. Parlez-moi, non, dit que comment le pécheur se trouve dans cette petite-là. Mais je peux être président demain et il ne passe pas ça. Mais Dieu est là pour tout le monde. Mais il crie devant chez vous, non à la fraude. Ouais, ça peut agresser. Mais et nous, vous êtes on du pouvoir. Reste... Jamais. On ne répondra jamais. On ne répondra jamais à une agression. Si je suis guinéen, je veux la paix ici en Guinée. Mais un bon Guinéen, je ne crée jamais de la guerre ici. Je ne veux pas. À votre avis, vous êtes effectivement Guinéen, vous avez aussi suivi cette élection, mais est-ce qu'à votre avis, il y a une possibilité de manipulation des résultats? Ah bien sûr, je peux dire à haute voix. À haute voix, on a gagné. Leur PC a cassé la gagné. Mais pas pour vous pas. Mais pas à Kaloum, ils disent qu'ils détiennent Kaloum. Comment ils peuvent savoir? Comment ils peuvent savoir? Mais ils ont du monde derrière eux. Non, c'était pour agresser. Eux, ils veulent que la pagaille. Ils veulent que rien que la pagaille.